Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo particulière puisqu'elle est en partenariat avec la société Altaïa. Et aujourd'hui donc je vais vous présenter une de leurs dernières collections à voir le jour. Et cette collection c'est les plus beaux véhicules utilitaires. Donc des 30 glorieuses. Donc dans chaque numéro vous aurez une miniature au 1/43e d'un véhicule utilitaire avec en plus, et c'est là où cette collection est super originale et super intéressante, enfin pour moi, parce qu'elle regroupe deux de mes passions dans une même collection, vous aurez en plus de la miniature une plaquette diorama pour la poser dessus, quoi, pour l'exposer, et c'est vraiment super sympa. Alors déjà on va découvrir, voyez ici, la collection. Alors donc voilà, vous voyez ici le dépliant, donc ça c'est le fascicule que vous aurez avec le numéro 1 qui présente la collection. Donc, vous voyez les petites paquettes diorama dans le fond, et ça représente des devantures de boutique. Des devantures de boutique donc qui ont, si vous voulez, c'est la boutique qui est associée au véhicule, à la miniature que vous aurez dans le même numéro. Donc c'est très 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 sympa parce que en plus de la miniature, voilà donc le numéro 1 là, qui est bien décrit, hein, en plus de la miniature vous voyez que vous avez également une figurine et des accessoires quoi qui donne vie vraiment à la scène avec la devanture de la boutique et une portion de route également et de trottoir. Donc c'est vraiment bien foutu. Et donc dans ce petit fascicule on vous explique, voilà, le détail de la collection, mais également la façon de les obtenir en vous abonnant et les cadeaux que vous aurez en le faisant. Alors à propos de cadeaux, si vous vous abonnez, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. D'ailleurs, il y est le lien, vous pouvez y aller dans la description de la vidéo. Sur ce lien, vous allez arriver sur une page. Sur cette page, vous rentrez le code promo exclusif promo métier. Et avec ce code, vous allez obtenir en plus de vos cadeaux, en vous abonnant vos cadeaux normaux, entre guillemets, vous allez obtenir deux cadeaux supplémentaires exclusifs en inscrivant ce code promo métier. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Allez, alors comment ça se présente? Le numéro 1, voilà comment ça se présente lorsque vous allez recevoir vos numéros ou que vous allez les trouver si vous vous abonnez pas chez votre libraire ou votre marchand de journaux. C'est comme ceci donc. Alors vous avez l'accessoire, vous avez la figurine, vous avez la miniature au 1/43e, la devanture du magasin pour la plaquette bio, la portion de trottoir qui est accrochée à la devanture, plus la portion route ici en dessous qui vient se clipser devant. Donc c'est présenté comme ça sous cette forme, donc c'est parfaitement protégé. C'est ce que je voulais vous montrer, vous voyez. Là au niveau de la miniature, on a des petits rétros, parce que les miniatures sont hyper détaillées, des petits rétros, mais vous voyez, il y a une bulle d'air supplémentaire de chaque côté pour que le rétro, bah, en aucun moment ne soit en contact avec quelque chose qui pourrait le casser, hein, tout simplement. Donc voilà comment c'est fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter les deux premiers numéros. Donc avec le numéro 1, qui est donc la livraison du boulanger avec la Peugeot 203. Vous avez un fascicule exclusif également pour chaque numéro. Donc les fascicules, on va les rapidement quand même. Ça vous présente bien sûr le numéro, vous hein, voyez. Ça vous présente, il y a plusieurs sujets. Hein. Vous avez un historique sur le véhicule en question, là, la Peugeot 203. Vous avez également un reportage sur le métier en question qui est représenté ici par la miniature, donc boulanger avec ses tournées. Et vous avez également un
sujet sur le fondateur, ici c'est Peugeot puisque c'est une Peugeot 203, Armand Peugeot, c'est un petit historique du constructeur. Et puis également toutes sortes de sujets sur les miniatures de cette époque, enfin les miniatures, les véhicules de cette époque. Voilà. Donc je vous propose de défaire ce blister, de tout mettre en place et de vous le montrer lorsque tout est fini. Allez, à de suite. Alors la Peugeot 203 du numéro 1, boulangerie, pâtisserie, l'épidore. Alors au 1/43, elle est magnifique. Sans déconner, elle est vraiment magnifique et elle est hyper lourde parce qu'elle est tout en ferraille. Tout en ferraille. Mais elle est superbe. Tous les détails sont présents, regardez. Matriculé dans le 75, donc apparemment ça se passe, les mini-sénettes se passent tout à Paris. Et vraiment, mais splendide quoi. Et cette petite couleur crème, vraiment magnifique quoi. Et je vous dis, elle est hyper lourde. Les petits rétros, les essuie-glaces, la calandre, les feux ronds. On a également les petits détails sur le nez. Regardez, c'est magnifique. Vraiment, vraiment de la très très belle miniature. Et puis donc, cette auto, bah, vous pouvez la mettre ici. Donc, vous voyez. Sur cette plaquette diorama, quoi, c'est vachement bien foutu. Donc on a l'aventure de magasin. Ici ce sont des photos. De véritables photos ou impressions, hein, peu importe. Mais enfin ça représente l'intérieur du magasin, c'est vachement bien fait. Vous avez le boulanger, enfin le livreur, hein, avec sa hotte pleine de pain. Hein. Et vous mettez votre véhicule ici en présentation, là sur la route, pardon. Vous voyez donc la route, la portion de route se clipse dessous grâce à des tenons sous le trottoir. Et franchement, c'est vachement original et super bien réalisé. Donc ça c'est le numéro 1. Donc le numéro 2. Le numéro 2, c'est celui-ci. Donc vous avez également le fascicule, hein, comme pour chaque numéro. Alors celui-là, il est sympa aussi. C'est un Renault Galion. Et c'est celui-ci. Donc c'est un livreur de boissons. Donc la miniature, elle est superbe. Voilà. Voilà le Renault Galion, un 43e. Là encore, les détails sont magnifiques. Regardez. Alors elle est un peu moins lourde celle-ci, pourquoi? Parce que toute la cargaison de caisses de bouteilles que vous voyez ici est en plastique. Mais elle est vraiment magnifique. Cette miniature est de toute beauté. Alors vous avez diverses inscriptions, hein, vous voyez, sur les portières vous avez marqué boisson en gros, Carrier, Paris, le téléphone. Carrier livraison en Île-de-France, vous avez marqué ici eau minérale, limonade, café en gros, ici l'arrière. Alors l'arrière, vous voyez, hein. Carrier livraison, les feux, la plaque minéralogique, c'est vraiment mais finement détaillé et super bien réalisé une fois encore. Voilà, le châssis toujours pareil, noir. Vraiment, vraiment de belles miniatures. Et puis donc, la plaquette diorama, là encore, est hyper sympathique. Voilà. Chez Marie. Alors, chez Marie, restaurant chez Marie, voilà. Donc, vous avez les menus ici, écrits sur des tableaux à la craie. Hein. Donc, le livreur de boissons, ben, il vient livrer le resto, là. Hein. On le voit, le livreur avec son diable et puis sa marchandise. Sur la plaquette diorama qui est super bien réalisée, vous avez une plaque d'égout. Là, c'est quand même
Le souci du détail est vraiment bien fait. Vous avez donc la route avec le caniveau. Toujours pareil, hein, la route qui s'éclipse. Et vous mettez donc votre miniature pour le duo ici, voilà. Vous voyez, pardon, reculé, voilà, comme si le livreur déchargeait. Franchement, c'est une superbe collection. Hein. Moi, j'adhère complètement à ce genre de truc. Et bien voilà les amis, bien, écoutez, on va finir cette petite vidéo par un plan avec les miniatures sur leur plaquette hein, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et voilà, n'oubliez pas donc les liens dans la description pour obtenir des cadeaux exclusifs. Donc normalement, je vous présente le numéro 3 très prochainement. Et puis voilà, tout ce que je peux dire sur cette collection. Qui est une belle collection. Pour moi, moi j'adhère. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur la présentation de cette nouvelle collection Altaïr vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut !